Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Elkino. Il s'agit de l'épisode numéro 7 de Dark Devotion. Probablement le dernier épisode si on arrive à buter le dernier boss. On va regarder les stats en speed. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais un petit peu impressionné. En fait, je m'attendais pas à avoir appuyé sur le bouton rouge, le bouton B pour dodge pendant 6376 fois tout de même. Avec seulement 101 mort, c'est plutôt pas mal. Après, bon, j'ai pas vraiment de point de référence, mais je trouve ça classe. Voilà. Par contre, j'ai joué en mode facile sans rythme, mais sinon je commence à me dire que j'arrivais jamais à le finir, je m'engolise trop. D'accord, ok. Sans rythme, mais quel est l'intérêt alors? Enfin bref, je regarderai, j'irai voir. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes au niveau des stats? 17 boss. Putain, c'est marrant, dans ma tête, il y en avait 18. Plus le boss final, 19. Bah, j'ai dû mongoliser aussi comme toi. Du coup là c'est juste tour par tour sans rythme, mais c'est super cool comme ça. Ok, cool. Cool. J'irai voir. Allez, on est parti. Dernier épisode. Potentiellement. Ok. Potentiellement. Alors... Je crois qu'on avait trouvé le ce qui me semblait être pas mal au niveau de la du stuff et des compétences. Coucou Ryu, bienvenue. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Je me rappelle comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pris le téléport. C'est un peu bizarre, mais ça va nous permettre de passer les trucs qui stun. Ok, puis la bulle là et ok, on est bon. Donc si je me rappelle bien, il faut pas prendre le il faut prendre le téléporte, voilà, pour arriver directement au tout dernier boss. Par contre, il n'y a pas OSC, c'est vrai que par contre, il n'y a pas OSC, c'est dommage. Coucou Avia. Bon, ici, ça bug, hein. Vous vous rappelez, ça bug toujours, hein. C'est le jeu qui est comme ça, c'est pas... rien y faire, c'est comme ça. Tac. Tac. On va prendre ça. Et ça. Et ça. Est-ce qu'on... non, on n'utilise pas ça. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre à gauche? Je me demande. Je pense pas. Non. Allez. Comment vas-tu, Avia? Toi, ça va, Ryu? Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, il faut y aller. Hein. On va faire un try. En espérant que ce soit un bon try. Je vous rappelle qu'on est sur le dernier boss. Sert à quoi ce bouton? Sert à quoi le X? Deux secondes, j'ai un... Non. J'ai un trou. Ah d'accord, oui c'est vrai, ok. Je m'en fous en fait. Allez, c'est parti. Bon alors, si je me rappelle bien, il va lancer des... Si je reste dans les trucs violets, ça me stun. Pas je reste dans les trucs violets quand il clignote en fait. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et il recommence. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça fait une bouboule, c'est ça? Ah oui, il fait venir sa bouboule, ok. Ok. Aïe! Eh merde, là je vais me faire stun. Voilà. Encore. Trois, quatre, cinq, non. Aïe. Ok. Ok. Oh putain. Ah oui. Ah, oh, fais chier, je saute dans le mauvais sens.
Une, deux, non. Ok. Une, deux, trois. Ah merde, putain. Ok, c'est là que ça commence à craindre. Je peux pas te taper la bouble peut-être. Ça se passe pas mal plutôt là. Par contre... Oh là là, une, deux, trois, quatre. Eh merde. Ça devient chaud au bout d'un moment, hein. Putain. Ah bah par contre, ouais, c'est là. Hein. Moi je vais bien, je suis sorti sur un coup de tête pour voir un concert après 20 ans dans une salle que j'ai connue. C'est nettement mieux maintenant, bien que le son m'a assourdi. Ah oui, bah oui. T'étais voir quoi, Avia? C'est pas un roguelike, y'a pas de random map qui change quand tu perds, d'accord. Ouais, mais est-ce que tu gagnes, tu gardes des compétences quand tu perds? C'est un peu ça, voilà. Eh ben ça va, OSC, comment vas-tu, toi? Par contre, OSC, coucou. Et ouais, on est sur le dernier boss, a priori. A priori, on peut se planter, hein, je peux me planter, mais... les points lumineux représentent les boss, là, en fait. Donc, et j'imagine quand on a buté le dernier boss, le losange qui est au, en haut de la porte, là, il s'allume. Et on en est même à la deuxième partie du dernier boss. Au final, le dernier boss, il a deux... il y en a deux, au final. Alors, on prend ça, et puis ça. Sauf que on va échanger ça pour ça. Et ça. Ok. Du coup, samedi, on aura-tu Discord avec musique qualité? J'ai pas encore eu le temps. Peut-être, Jim Lao, je sais pas. Je crois que tu parles, commences à parler comme un Québécois. La dernière fois que j'ai touché à mon PC, c'était pour jouer à The Mummy mercredi matin. Donc, j'ai pas eu le temps du tout de regarder ça, Jim Lao. J'ai absolument pas le temps en ce moment. Voilà. J'ai même pas. Enfin, voilà. J'ai pas touché au PC du tout, quoi. Ça. Allez, on va essayer de le faire en moins crispé. Oh merde! Fais chier avec ces trucs. Deux, trois. Je capte pas. Des fois il fait les enchaînements à 5, des fois à 3. Du bol aussi, je pense. Ah, j'ai plus de foi. Chier. Oh là là. Oh, c'est pas mal quand il fait ça. Du coup. Ok. Ah, oh, mais oui, mais pas dans... Oh putain, je suis dehors! Merde! Merde, j'avais pas prévu ça! Comment je fais pour repasser? Ok. Une. Une.
sais pas si je peux taper ce truc là. Oh non! Tu abuses. Merde! Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh là là, non, non. J'ai plus de foi, putain, chier. J'ai plus de foi, j'ai plus d'armure, j'ai plus rien. Oh là 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 là. Oh, t'abuses. Ok, faut que je dodge. Oh. Il y en a beaucoup là, des boboules. Oh là là. Ok, faut que je sois un peu plus concentré en fait. Et ça devrait passer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, l'enchaînement de barge. Ah, super, et sinon je vous aime tous. Je t'aime toi aussi. Oh là là. Bon. On était à combien là? J'ai même pas vu. Mais ça va, ça devrait le faire, je pense. Ça devrait le faire. J'aimerais bien avoir un peu plus d'armure, un peu plus d'armure surtout en fait. Je sais pas si les explosions d'armure en finale là, sur ce boss là, sont utiles. Je me demande si ça serait pas mieux d'avoir. Merde, c'est... oulala, faut que je fasse gaffe, j'ai failli y aller dans un autre endroit. Je me demande si ça serait pas mieux d'avoir plus d'armure en fait. Plutôt que les explosions d'armure, je sais pas. J'ai pas vraiment regardé. Je sais pas si vous avez vu. Oh là là, super. Non, super. Super, c'est tellement utile. Ok, super. De toute façon, faut faire avec, hein. Tu confonds avec le jeu de la momie. Bah ouais, je sais bien. C'est un petit peu le même genre de truc. Enfin, le même genre de truc. Celui-là, il n'y a pas besoin de backtrack trop, en général. Ah! Oh là là. Non. Oups. Oups. Oh genre, je pensais pas. Wouh. Ah non. Voilà, perte d'endurance à chaque coup subi, super. Une. Rendu. Ah.
mauvaise idée. On est pas mal là. Rendu. Putain, c'est frustrant. Eh hey, mais il fait rien. Ok. 1. Non. 1. 2. J'ai plus d'endu. Oh là là. Rendu. Oh c'est chaud. Non. Oh putain. Oh fuck. Si j'avais eu plus de... C'était pas mal. Si j'avais une meilleure chance au niveau des objets de départ, ça aurait été beaucoup plus... beaucoup mieux. Mais je pense qu'on va l'avoir. Je pense qu'on va l'avoir cette nuit-là. Je pense. Ça ne présage que du bon. Bon, par contre, si on le finit trop tôt, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Merde, pourquoi je descends à chaque fois ? Expliquer. Est-ce que vous avez pu voir si les explosions de shield font mal ou pas? Ce serait pas mal si quelqu'un pouvait regarder, ça m'arrangerait. J'avoue, j'ai pas pareil, j'ai pas eu le temps de m'attarder sur la question. Ah oh, si, remarquez. Là, j'ai pas eu le temps d'utiliser les popos aussi, ça c'est un truc de ouf, c'est parce que j'ai pas assez de life. Merde. Tac. Tac. Hein? Donc là, on va avoir deux boosts, deux seringues de boost. Je crois que c'est un boost endu, un boost dégâts, donc c'est pas mal. Tout à l'heure, on avait juste trois popos d'endu en fait. Ce qui est pas mal aussi pour DPS, mais bon. Ok, donc ça. Puis ça et ça. Allez, c'est parti. Ah non, c'est du crit. Putain, mais c'est ouf. C'est ouf. Rendu. Oh merde, je me fais stun. Chier. Ah. Oh là là. Oh là là, Marc le chat, merci beaucoup pour le host. Se calme. Très bien. Ah putain, je suis de l'autre côté. Ok, tranquille, on récup. Ça. Tendu. Ah, ah. Ok, comment tu marques, Miaou? Non, touche pas le truc! Non plus! Ah fuck, je vais me faire snap! Oh
Oh là 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 là. Comment on est mal accueilli par les streamers ici sous prétexte que oui j'affronte un boss, mais je t'ai dit bonjour. Dès que j'ai vu le host, Marc, je t'ai dit merci beaucoup pour le host et je t'ai dit bonjour après. Donc même si je sais que tu disais ça sur le ton de la blague, c'était même pas justifié vu que je t'ai dit bonjour. Espèce de vilain chave, t'auras pas de ronron. Non mais oh. Et mais alors là les gens, vous avez vu les explosions ou pas? En fait ça fait... C'est depuis tout à l'heure que je demande que le chat m'aide. Mais alors personne m'aide. Mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et vous êtes 13 sur le canap. Et à mon avis, il y en a 11 qui ronflent et 2 qui n'ont rien à battre. Alors bravo, hein, je vous félicite pas. Non mais... Merde, si j'y vais à poil, ça va pas le faire en fait. Non, c'est pas grave, je me démerderai tout seul. Hey Spectro, coucou, bienvenue. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu ici... parler. Comment es-tu? T'es tellement de mauvaise foi, Marc. Ouais, je comprends. Alors. Tac. Ok, c'est pas mal là comme combo, j'aime bien. J'aime bien. Je sais, ça va, j'ai marqué un panier, c'était cool. Un panier. Hein? Quoi? Un panier? Qu'est-ce qu'il a fait, Spectro? Putain, je peux même pas mettre la pause. Qu'est-ce qu'il a fait, Spectro? Mon Dieu! Ah! Oh, merde. Coucou, Elki, bah, c'est un petit cadeau, c'est pas grand-chose, j'espère qu'il te plaira. Désolé de pas venir souvent, j'ai beaucoup de soucis. Oh, je suis désolé. Merci énormément. On était en train d'en parler, en plus, Spectro. Eh ben, écoute, comme ça, je vais pouvoir... Je vais pouvoir le tester et voir si ça me plaît ou pas au final. J'étais en train de me dire que j'avais vu Zoazou, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'avais vu Zoazou y jouer et que ça me paraissait un peu étrange de devoir... voilà, je sais pas, on verra bien. Mais merci énormément pour le panier Spectre, en tout cas ça fait super plaisir. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais quand même voir ce que ça donnait quoi. T'es hypnotisé par le jeu toi Jim Lowe, oh là là. Et toi tu faisais un sandwich. Ah mais les excuses! Bon, en tout cas, GG, merci. Et Spectro, j'espère que... Il va y avoir du fail, probablement. J'espère que... Tu dis que... Hein? Qu'est-ce qu'il me fait? Tu dis que ça va pas top, mais est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? J'espère que ça ira mieux vite, en tout cas. Voilà, acceptons ça. Merci. Hop. Merci Biku. Il y aura du fail. Bah oui, après c'est un roguelike, j'espère. Hein. Il y a un mode facile aussi dans Crypto The Necron Answer, tour par tour non rythmé. D'accord, ok. Toi, tu construisais ta colonie dans Fallout 4. Lol. Allez, du courage en tout cas, Spectro. Bon, allez, on continue. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, comme Spectro, si jamais tu ne savais pas, nous sommes sur le dernier. Je crois que j'ai bouffé une. J'ai bouffé une popo dans le vent, c'est bien ça. Nous sommes sur le dernier boss, a priori, de Dark Devotion. En fait, le problème, c'est vraiment... C'est vraiment l'endu. Hein. Bah, faut pas que j'anticipe trop. J'anticipe trop quand il commence à faire son coup. Oups. Non. Ok, je me suis fait stun. Ah non, c'est bon. Ok, tranquille. Oups.
Ok. Oh. Non, on va pas sur le truc. Oup. Ok, allez. Oh là là. Non. Ok, on se calme. Tac. Rendu ou pas rendu. Ok. Non, non. Ok. Ouh. Ok. Nickel. Putain. Rendu, 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 rendu. On est pas mal là. On est pas mal du tout là. Putain, vas-y, explose tes trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4. Oh merde, je me suis fait stun. 2, 3, 4, 5. Allez. Oh non, je vais me faire stun encore. Putain. Oh. Ok, ok, allez, allez, allez. Non. Merde. Putain, le relou. Yes. Wouh. Nice. Eh ben, putain. Oh, ça, direct, les crédits comme ça, là, bim. Oh, merci, bah voilà, c'était pour Spectro, ça. C'était pour Spectro, grâce à ton panier, tu vois, tu nous as donné la foi. Exactement. Magnifique. Oh, comme il m'a fait chier à la fin, là, j'étais à une crotte, hein. Une crotte. Merci. Maintenant, je peux le commencer. Eh, hey, mais c'est pas con, ça, tu sais. On va faire la découverte de Crypto the Necrodancer, alors. Carrément. Carrément. Va falloir que je le download. Et ça va prendre un petit peu de temps par contre. Je vais passer en pause et puis on va faire une petite heure de découverte. On verra s'il y a une scène après les crédits. Ouais, j'ai un doute quand même. Mais si je lance, si je commence à le download là, ça va niquer le stream. Donc je préfère le faire pendant l'écran de pause. Bien. Découverte de Crypto the Necrodancer. Mais il était cool en tout cas, Dark Devotion, j'ai bien aimé. Et on a fait tous les boss, on n'a pas fait le jeu en 100% évidemment, mais on a buté tous les boss. Et ça c'est bien. Voilà. Ça donne l'impression qu'il y a un bug et qu'il a skippé une cinématique. Ah, j'ai pas appuyé, hein, donc, mais c'est possible. C'est possible. Moi j'ai pas appuyé perso, je suis sûr. Que ce genre de jeu, j'essaie quand même de contrôler mes coups, parce que sinon, spam des fois, ça. Moi qui suis un spammer né.
Aurélien le Bescon. Olivier Étienne Miller, ça fait OEM. LOL. Oh là là. Un autre sandwich à faire, j'aimerais bien un sandwich là. N'empêche, c'est elle qui joue, j'ai besoin d'une pause avec toutes ces émotions. LOL, Spectre. LOL. On remercie invité 2146-190400. Je pense que c'est des backers, ça, j'imagine. Ouais, c'est des backers qui n'ont pas dû donner leur nom en fait. C'est étrange quand même. Robert Kinn, tu veux. Tu... Ouais, mais. Je sais pas, moi, si je back un jeu, je veux pas avoir mon vrai nom, mais mon pseudo au moins, quoi. Dans le jeu, c'est cool. Mais j'avoue, c'est vrai, y a rien eu à la fin, quoi. Il y a du lore pendant tout le jeu, il y a des textes à qui mieux mieux. Vous avez vu la rime un petit peu. Et mais à la fin, que nenni. L'histoire est pas finie. Ouais, il va y avoir un truc après. Même la musique est pas top en fait. Ou je sais pas, ils se sont dit. Non mais Osef en fait, c'est le jeu qui est intéressant, pas la fin. Genre on va pas bosser la fin quoi, le jeu est déjà bien. Merde. Il n'y a plus de budget, tout est parti dans les explosions. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Non mais je pensais avoir un peu plus de mal quand même sur ce boss. Mais bon. J'ai l'impression qu'on a eu plus de mal sur d'autres boss dans ce jeu. Peut-être que je confonds avec la momie aussi. Hein. On a eu plus de mal sur les boss de la momie en fait. Voilà, j'ai l'impression. Mais bon, après, j'imagine de toute façon, c'est un Souls-like. Il doit y avoir un New Game plus 1, New Game plus 2, plus 18. Le jeu devient beaucoup plus dur, etc. etc. Au final, là, on a fini le mode facile. Quoi. C'est comme Dark Souls. Et moi, j'ai fini tous les Dark Souls, mais en mode facile. Quoique, je sais pas, ça rajoute de la difficulté de le faire blind en fait. On saura pas si Luke Skywalker a vaincu Jon Snow sur Vulcain. Non, mais non. Il peut pas l'avoir vaincu, Marc, parce qu'il y a Alien qui arrive sur les côtés pour faire chier en fait. Donc c'est pas possible. Quel rapport avec la Bretagne? Bah, le cassoulet évidemment. Et d'abord, moi je vais tous vous la couper, parce que... Camoulox, d'abord. Voilà. J'ai gagné. Putain, il y en a des backers, hein. Ouh là là. Frédéric, F. Dewey, Wallin, Nistox, Philibert. Messieurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes célèbres maintenant. 12 personnes est en train de lire votre nom. 13 avec moi en fait. Oh là là. La chiate, si Alien qui arrive sur les côtés, on est mal. Du coup, le roi Arthur, il pourra pas épouser Lancelot. Non, il pourra pas. Il pourra pas. Bah non. C'est pas un jeu financé par machin chouette Kickstarter. Bah si, je pense. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est des backers, ça en fait. C'est des backers de Kickstarter, tous ces gens-là. C'est pour ça que par défaut, je comprends pas qu'il y ait des gens qui mettent pas leur pseudo en fait. Genre invité 197-401-3374 là, bah c'est un mec qui a pas... Qui a, soit il a oublié de donner son pseudo parce qu'il peut-être qu'il savait pas, soit il avait pas envie. Je comprends qu'on n'ait pas envie de filer son vrai nom, mais le pseudo quand même... Aaron Dubois. Daniel Clark, yeah. C'est vraiment qui pète ça, Daniel Clark, je trouve. Et Nemo dans l'histoire. Ben, Nemo, il est parti se la couler douce avec Tom et Jerry, en fait, ouais, c'est... Oui, et il joue aux échecs avec Pocahontas, comme le dit Marc, effectivement. Mais Nemo, Pocahontas, je trouve que c'est quand même trop proche, là.
Hein, faut pas rester quand même dans le... Hein, Tom et Jerry, c'était mieux, quoi. C'est pas le même... c'est pas le même... Voilà, c'est pas la même boîte, là. Ça, alors... Putain, c'est même pas par ordre alphabétique, donc on sait même pas quand ça va s'arrêter, en fait. At Polo. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. En tout cas, Spectro, s'il y a un truc que j'aime bien, sûr à 100% avec Crypto the Necrodancer, c'est la musique. Je l'ai écouté pendant longtemps, en fait, parce qu'elle est sur Spotify. Quand j'étais en Irlande, j'étais à fond sur Spotify. Mon compte, il marche plus ici parce qu'ils font pas les régions. Bah, je peux pas réactiver mon compte, en fait. Voilà, ils veulent pas. Du coup, je l'ai écouté beaucoup en Irlande. J'avais même mis des musiques sur le début du stream de Necrodancer. Je crois que c'était les remixes, je sais plus. Chante pas bien et tu vas strike le YouTube l'autre jour sur Seven's Guest. Avec Disney qui a racheté quasiment tout Hollywood, c'est quasi la même boîte maintenant, c'est pas faux. C'est pas faux, Marc. D'accord, mais Captain America, elle est dans le DLC. Voilà, dans le DLC de Batman vs Hellboy. Oh, c'est bientôt la fin. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'est le dernier épisode de Devolution. Merci beaucoup. À la prochaine.